Bonjour à tous, c'est Nathalie de Participaction. C'est le temps d'oublier l'hiver et de sauter à pieds joints dans le printemps avec l'exercice « S'éveiller avec le printemps ». Changez votre routine pour bouger au parc en bonne compagnie. Être physiquement actif permet de s'alléger le cerveau et de se concentrer mieux. Rappelez-vous que l'exercice est sécuritaire pour la plupart des gens et que la plupart des gens n'en font pas assez. Alors, on se prépare? As-tu 2 minutes, Julie? Tout à fait. Pour l'exercice s'éveiller avec le printemps, nous allons faire 4 exercices de 30 secondes chacun. On commence avec le saut en longueur. Debout, les pieds à largeur des épaules. Élancez les bras vers l'arrière en pliant les genoux, puis sautez vers le haut. On commence, Julie? Tout à fait. Atterrissez sur vos pieds et reprenez la position de départ. Quand nous faisons de l'exercice, une bonne partie de notre sang est redirigée de nos organes vers nos muscles. Lorsque nous arrêtons, le sang afflue vers le cerveau et les organes, ce qui améliore notre concentration. C'est terminé! On augmente l'intensité avec les coups de genoux pliés du côté droit. Placez le pied gauche en avant. On commence, Julie? On commence. Amenez le genou opposé vers la poitrine. Levez les bras dans la direction opposée, tout en sautant avec l'autre pied. On continue. Bien joué, Julie! Je suis une pro de la plio. Continue et fais sûr de bien respirer. Prenez une pause si vous l'avez besoin. Lâchez pas! Et voilà! Woo! On enchaîne avec les coups de genoux pliés du côté gauche. Placez le pied droit en avant. On commence, Julie? On commence. Amenez le genou opposé vers la poitrine. Levez les bras dans la direction opposée, tout en sautant avec l'autre pied. Comment ça va, Julie? Super! Fais sûr de bien respirer et prenez une pause si vous avez besoin. Continue. Encore quelques secondes. On achève. Et voilà! Wouh! OK. Dernier exercice. Le squat avec poussée pour faire travailler tout le corps. J'adore. Oh, comment on fait encore? C'est correct. Je vais vous montrer. Faites un squat. Placez vos mains par terre et marchez les pieds en arrière en planche. Ramenez les pieds vers les mains et étendre les bras en contractant les abdos. J'ai compris. On commence? Oui. C'est difficile, hein? Ah, ça va, j'ai tout sous contrôle. C'est terminé! Youhou! Vous pouvez faire ce petit exercice de 2 minutes à tout moment. Vous vous sentirez bien parce que bouger vous aide à vous concentrer mieux et être plus performante à la maison, à l'école et au travail. Parce que tout va tellement mieux quand on bouge.